Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Total War Warhammer avec le Royaume des Nains et j'espère que vous allez tous et tous très très bien. Donc, dans l'épisode précédent, j'essaye de rétablir l'ordre public parce que je me tapais des rébellions à gauche et à droite. C'est quoi ça? Oh, on a un griffon. Et donc, c'est pour ça que j'ai boosté un peu mon ordre public et là ça remonte petit à petit. Azubar, on en est à plus 4, donc ça remonte, peinard. Je suis en train de refaire une armée ici. Le Mongumbab, j'en suis à plus 1, donc bon, ça va, ça remonte. Plus 2, Karazakarak, et ici à plus 5, et là, c'était pas loin de la... J'étais à moins 91, et je suis à plus 5. A savoir, j'ai une warg qui va se ramener. Putain, j'ai beaucoup de trucs à améliorer, mais... J'aimerais bien garder mon argent surtout. Ouais, je vais garder mon argent. J'ai une warg qui va se ramener et j'envoie mon roi. Surtout que j'ai envie d'aller prendre des villes dans le sud pour aller essayer de mater un peu ces pauvres parce qu'ils commencent à être vraiment pénibles. Et de toute façon là on va passer de tour. Alors j'étais en train de regarder les rancunes que j'avais, donc là parce que là forcément j'ai toujours ce truc là avec les... Parce que ce qui m'apporte du mécontentement c'est surtout ça, c'est furieux, donc c'est plus j'ai des rancunes qui ne sont pas résolues et qui perdurent, et plus je vais avoir du mécontentement parmi mes les longues barbes. Et là j'ai pour ça j'ai moins 4 en commandement, moins 2 en ordre public et moins 10 en relations publiques et les royaumes. Non, c'est assez chiant. J'étais en train d'essayer de voir à Karazakarak. Maintenant je peux faire un nouveau bâtiment. Donc ce qui m'intéresserait, alors j'ai regardé un peu tout, moi ce qui m'intéresserait énormément, alors là on a l'hôtel des tueurs, alors ça je préférais le faire à Karak Kadring parce que c'est la cité des tueurs. On a l'hôtel des ingénieurs, ça c'est pareil, je préférerais le faire à Zubar. Donc je pense que je vais continuer à faire à augmenter l'armurerie, comme ça j'aurai la forge Gromril et ensuite plus tard la forge rune, donc ça pourra, je pourrai comme ça recruter des maîtres runes apparemment. C'est surtout que ça m'augmente ma capacité de recrutement local, donc je pourrais recruter beaucoup plus vite. Et surtout en tant que bâtiment, ce que j'aimerais bien faire dans cette capitale, c'est ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la garde royale. Donc là j'aurai les marteliers, les brise-fers, c'est intéressant, et l'éthane que je pourrais recruter. Et surtout ce qui m'intéresse, mais ça coûte extrêmement cher, c'est de faire, mon objectif c'est de faire ça, la salle du trône du haut roi, mais ça coûte 15 000 pièces d'or. Mais regardez, ordre public plus 10, taux d'imposition plus 5%, mais dans toute la faction, rang de seigneur recruté plus 2, espérance de l'unité plus 1 pour les unités de martelier, ok, et ordre public plus 2 en raison de l'autorité dans toute la faction. Et ça c'est cool. C'est pas juste la région, c'est toute la faction. C'est pas mal. Allez, on va passer de tour. Donc lui, je vais le faire partir dans le nord. Il va falloir que j'assassine aussi un seigneur, un héros gobelin. J'en ai repéré un qui est niveau 1. Un problème, si je fais ça... Si je fais ça, alors depuis moins 3, et là, j'ai quoi? Ok, vous êtes seul, je suis désolé, mais j'ai besoin de mon ordre public. Parce que là... Donc voilà, j'ai vu lui, là. Il est niveau 2 maintenant. Mais j'aimerais bien en charger. Le problème, c'est que... là, j'ai une warg qui se ramène. Non, c'est pas une warg, ça. Les wargs, elles ont un drapeau différent. Et j'aimerais bien l'assassiner, mais il me faudrait que j'aille un seigneur. Non. Bah, malheureusement, je peux pas recruter. Ok, c'est au bon vouloir, donc c'est pour ça que ce serait cool que je débloque ça. Alors toi, tu vas vite te manier. T'as encore un tour. Ok.
Moi, ce qui m'inquiète, c'est... Bon, ils peuvent, avec l'armée qu'ils ont, ils peuvent toujours attaquer cette garnison. Surtout que je l'ai renforcé à mort. Après, ils peuvent toujours attaquer Dog Garaz. Et là, ça m'emmerderait un peu plus. Ouais, même... Ouais, c'est embêtant, là. C'est embêtant. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais peut-être encore recruter chez eux. Ouh là là. qu'est-ce que j'ai ici? J'ai 4 saints. Là, bon, j'ai as, je dois avoir acheté l'arbalétrier et l'arquebusier. J'ai les mineurs. C'est quand même... J'aimerais bien quand même avoir ça... genre un canon supplémentaire. 1500 quand même. Bah, pour l'instant, on va attendre. Il faut que j'améliore mon économie, moi, surtout. 2200, boum, aïe. Et là, je voulais faire ça, c'est 7000. Ah non, ah ouais, canon, orgue, gyrocoptère et drague de fer. Ouh là 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 là. C'est magnifique tout ça. C'est ça surtout, 6750. Martelier, boîte de brise-fer. On va économiser. Voilà, on va économiser. Pour l'instant, ça va. Allez, toi t'avances, tu dois aller là-haut. Tu parcours le monde. Les vampires se sont beaucoup, mais alors beaucoup propagés. Hein. Ils sont dans le mot. Donc les alphelins sont là. Ah. Qu'est-ce qui se passe? D'accord. Alors, déjà... Ok, déjà, oui mon seigneur. Tu vas là. Parfait. Ah, c'est lui, là, faut que je me chope, là. T'as pas de héros, toi? Mince. Bon, ta mission, toi, c'est d'aller me choper celui-là. Faut aller l'assassiner. Et toi, tu vas essayer de me choper ça. Ok. L'Empire a fait la paix avec Karaxiflin. Au début, je range de fer, ok. Il faut pas qu'une armée ennemie vienne derrière moi, hein. Par contre, ça me ferait chier. Je suis à 5000. Oh, ça monte vite quand même, hein, l'argent là. On va... Bah, on va repasser le tour. De toute façon, je peux faire que ça, je peux que attendre. Lui, il continue sa vie. Ça m'énerve parce que... Qu'est-ce qu'ils font? Ouf. Je vois, j'ai peur. Vu que j'ai pas de visu dessus, je sais pas ce qu'ils font. Ils ont peur. Ok. Vision bien humiliante. Un de nos amis proches en influence, monde de plein, blabla. Ok, serment de tueur. On va lui faire prêter serment. Ah ouais. Let us begin. Ouf, aïe. Time to slay the Oathbreakers. Ouais, alors ça j'aime pas trop parce que là... Voilà. S'il veut nous attaquer, on est... It is time. Very well. Alors par contre, on a un... Alors attendez, j'ai pas compris. Bloquer l'armée, échec total. Il a essayé de torquer l'angulier. Ah, il s'est fait blécher et tenter de chasser. Merde, j'ai pas réussi à l'avoir. On n'a pas un autre dans le coin qui se balade? Sinon, tu peux partir en éclaireur. Ce serait peut-être intéressant. Voir ce qui se passe. Ici, hop, on va faire... De toute façon, je peux pas le faire encore, faut que je sois niveau 5. Ok.
7500. Donc, non, pas... Ah, zut. C'est pas possible, ça. Hein. C'est ça que je vais faire. Voilà. Coûte cher, mais... C'est utile. Toi, si tu veux m'attaquer, moi, je t'attends. Hein. Tu vas être très surpris. Yes. J'aimerais bien le faire avancer, mais j'ai peur qu'il passe entre mes mailles du filet, lui. Eux, ils sont là-bas, donc j'ai pas de souci avec eux. For the wisdom of the lions. Thronebearers, move. All right. Bon, je pense que... J'ai jamais réussi à faire d'embuscade parce que les mecs ils arrivent à mourir à 10 km mais bon. Voilà. Bandit me fait où des orques. Ah éter désolé, ça c'est fatal. Alors attendez. À chaque fois je me fais... Vas-y, va faire ta live. Hop. Comme ça il me fait... C'est bien, il va voir ce qui se passe. On repasse le tour. Pas un kill. Ah ils sont partis. Bande de trouillards. Autorité du roi. Ordre plus big plus 2. Ça j'aime bien ça. Donc ici on en est à combien déjà? On est à plus 7 et là on en a combien? On est à plus 2. Bon. Ça redescend tout ça. Et là, hop, c'est bon, ça remonte. C'est peinard. Là aussi. D'ailleurs, l'influence vampirique, je suis à 13% vampirique ici. Ouais. 8% ici. Balayers will bind me to you. Beards in belts. Ready? One rug. For the Karazhan Corps. March. Oup. Il y a Karakorupik. Ah ça c'est deux cités à prendre. Pique noir et Karakorupik. Il y a les mines de fer noir ici. Là si j'arrive à reprendre ça, ce sera tellement cool. Ah oui, attendez, j'ai une quête à faire. Je pourrais peut-être faire celle-là en économisant. À la fin de votre tour, enregistrez un niveau de trésorerie d'au moins 10 000. Allez, mon objectif, c'est ça. Il faut que je... je fasse ça, donc dégâts des tirs, ça c'est pour les dragues de fer, mais je ne les ai pas encore. Coup de recrutement, ça ne m'intéresse pas, ça c'est pourquoi, moins 5%, ouais. Pas mal. Vénérer les ancêtres, moins 1 pour la corruption vampirique et chaotique. Ah ça c'est pas mal ça. Ça c'est quoi? Coup de l'action du héros, moins 20%, ça c'est pas mal. Revenus commerciaux, plus 5... Ok. Ok, et là on a quoi? On va faire ça. Ok. J'ai déjà 92 tours. Alors je sais... Je sais pas combien de tours... Qu'est-ce que vous me voulez? Déclarer la guerre. Cette façon, je vous ai déclaré la guerre, le Wiesenland. Ok, le Wiesenland. Ouais, un tribut. Ah, les mecs, j'essaie d'économiser, vous me donnez... Oh, les vargues ils sont déjà là quoi. Voilà, qui se lève et autres. Donc, ah oui, je suis en guerre contre eux là. Ah ouais, pas emmerdant les mecs déjà. Hein. J'espère qu'il n'y a pas d'armée. Faites gaffe, hein, moi sinon moi je viens piller vos trucs et vous n'allez pas faire long feu. My eye.
Jack's thirst for war. Tra. Bon, allez. Sure enough. Voilà. On va recruter ça, histoire d'avoir quelques soldats. Haha! C'est quoi ça? Au niveau 15, ah ouais! Niveau 15 quand même. Hein. 24%. Chaud patate. Là, il n'y a pas d'armée. On va aller voir par là s'il y a des armées. Ça. Histoire d'assurer mes arrières quand même. Le pic des rancunes, il est où le pic des rancunes? Ah non, c'est Caracazul ça, d'accord. Oh là 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 là. Je crois qu'on va pas être trop de deux dans nos armées. Ça va être une big baston quand même. Le problème c'est que j'ai pas d'armée de secours moi derrière. Si mes deux armées sont anéanties, ça va être le chaos là. Je joue un jeu dangereux. Je vais aller voir lui. Ah, parce que hop, voilà. Je vais pas essayer de t'oublier mais... C'est juste pour avoir un visu sur... Je sais pas où sont les armées orques. J'espère qu'elles passent pas... Parce qu'elles peuvent passer par là, je crois. Non, elles peuvent pas passer par là. Elles peuvent faire que ça, en fait. Elles sont où leurs wargs, là? Les Karakarnak est toujours en guerre avec les vampires et ils ont fait les. Apparemment les normes ont détruit Eshen, je n'avais pas vu ça. Et j'ai vu que les armées avaient bien subi quand même. One rag. Using guild roots. Oh le chaos. Le chaos se répand. Enfin c'est surtout les armées de Warg. Voilà là 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 là. Ah intéressant ça. Hop. Y a pas un petit truc pour toi? Tiens, hop, t'as ça. Pas d'armes, dommage. Ok. Je sais pas si les ils mettent à cron les Gugus là, mais voilà. Mini armée. Ah oui toi. Je vais voir ce qu'il y a ici en fait. Ah ah. Oh là là. C'est qui est là? Azak le massacreur. Ah oui. Lui il est dangereux. Lui il est dangereux. Ready. Let us begin. Putain, j'aimerais trop prendre le pic noir. Il faut que je fasse un truc. Ça c'est quoi ça?
Ok, j'ai une armée ici. Bon. Protège mes arrières, c'est good. Eux, ils sont là. Si je les vois remonter, je remonte avec mes armées. Parce que là, je suis un peu éloigné quand même. Je prends pas de risque. D'accord. Qu'est-ce que tu veux faire, toi? Il a réussi apparemment. Ok, il a retravaillé mon armée. Ouh là là! Là, ça c'est une wargue. Ça c'est une wargue avec ce drapeau là. Merde, il a échoué. Ah, putain, il m'a entravé, je peux plus bouger. Yes. Yes. We march. Lâche-moi. Send me to vengeance. Ready, Axes. Alors, ils ont des lance-roc gobelins. J'aimerais trop l'assiéger. Ouais, on va faire ça. 3 tours. Faut savoir qu'il y en a 2 hein, par... Ouais, je pense que ça suffira. Attaque. Alors si je fais ça, ça va peut-être les attirer en fait, les armées peau verte. Ça m'intéresserait moi. On va aller bouger notre petit compère là-haut. Ready. Tu dois aller là, lui doit aller là. Bah, on va aller, comme ça on va aller voir si les nains ont survécu. Onward. Parce que je doute fortement. Vache, le chaos approche. Ok. Oh là, il y a plein de héros là qui essaient d'entraver mon armée là-haut. Alors, soutien de la guilde, institution indisciplinée sectaire, les guildes se sont une fois de plus mis d'accord à soutenir totalement votre autorité. Le commerce devra en profiter. Cool. Je peux pas les entraver, moi, c'est ça qui est un truc de fou, quoi. Il a raté, t'es nul. Ah, je peux endommager les colonies. Je vais même pas. On fera ça au prochain tour. Bon, il reste ici, allez, restez là. Allez, elle est juste en face de toi. Putain, c'est pas possible. Donc là je suis toujours en train d'économiser, faut que j'aille atteindre les 10 000. Les 10 000. Ah oui c'est vrai qu'il est monté le level lui. Il est monté le level. Ok. Voilà, ce maximum, c'est parfait.
Où es-tu? Tu es paumé. Aye. Forwards. Ouais, les nains ont disparu. Triste. Triste petit nain. Un caracizor. Make your proposal. My long beards grumble, so make it quick. Ok, ils veulent toujours pas. On va faire un peu de diplomatie. You dare approach a eux, ils ont pas aimé que je rentre pas en guerre avec eux. Enfin, avec eux. Aux côtés d'eux, je veux dire. Dwarves, I hope we can strike some petty... Putain, ils sont chiants. Lui me déclare la guerre, mais ça s'arrête que dalle. Voilà. Comme ça, on s'emmerde pas. Lui, il veut toujours pas faire de commerce avec moi? Non. Truc de fou. Peau verte et tout ça. Ok. Bon, on en est pas loin, là. Après, il va falloir qu'il refasse tout le chemin. Au sens inverse. Je sais pas s'il y aura d'autres wargs. Mais à mon avis, de toute façon, les wargs viennent de par là. Et de là. Et je pense pas qu'elles vont venir en... Enfin, j'espère qu'elles vont pas venir en plein milieu. Parce que ça va même faire chier. Tant que ces deux armées-là, je les ai en visu. Et là, je les ai plus en visu. Et là, c'est le drame. Là, c'est le drame. Quoi? Pourquoi? Ah non! Oh putain! Ah vache! Ils sont passés où? Ils sont passés où? Ils sont passés dans le sud, partis dans le sud. Non, ils sont pas partis dans le sud, il n'y a rien dans le sud. Ah, attendez, ils sont en guerre contre les tribus des premiers hommes, parce que ça appartenait aux tribus des premiers hommes, mais je pense qu'ils vont aller prendre leur territoire. Oh non, tout le pognon que je gagnais là, ils sont chiants. Oh, les bandes d'emmerdeurs. Et hop. Vache, on en a plein. Qui n'est pas attribué? Toi, t'es pas attribué, allez hop. Où il est? Il est là. For clan honor. Alors c'est où qu'il doit aller déjà? Ok, il doit aller là, ok. Ta mission petit homme est allée là. Là c'est quoi? Le pouvoir des nains augmente de nombreuses rancunes ont été réglées et un esprit de coopération entre les bastions et révolgerait les plans de Thorgrim. Jadis les nains errant dans le vieux monde à la recherche de nouvelles pierres de minerais précieux à leurs yeux. De nombreux nouveaux bastions ont été fondés, des montagnes grises à l'ouest aux montagnes des larmes à l'est. Et des monts du dos du dragon au sud, au pic gelé d'Alorska au nord. Et ensuite venu le temps des malheurs lorsqu'une série de désastres a mené à la chute des énormes bastions et que les fils de Grimli se sont retrouvés coincés dans les forts qui leur restaient. Avec la récupération en cours des montagnes du bord du monde, les pensées de Thorgrim se sont tournées au nord vers les bastions autrefois puissants de Kraka, Drak, en Orska. Si les nains ours avaient résisté au temps du malheur et si Kraka... Krakadrak n'avait pas été conquis, il aurait été d'une valeur inestimable dans la lutte contre les tribus norse, qui nourrissent les forces du chaos. Le haut roi envoie des émissaires au nord pour découvrir le sort des nains norse. Ah bah... Alors, ouais. On le sait maintenant. Ils sont décédés. Oh la vache, regardez-moi ça. Ça c'est le chaos ça. C'est que des trucs dévastés. Contre vampire, contre vampire, contre vampire, contre vampire. Et là on a des ruines au-dessus. Oh là là. Le bordel. Bon. Bon, on se prend pas la tête avec ça.
Thank you. Alors, on va mettre un sac. Parce que je n'ai pas envie de l'occuper pour l'instant. Enfin, je veux dire, je vais faire. En fait, là, si je le mets à. Si je prends la colonie pour moi, le problème c'est que je devrais toujours avoir une armée sur place. Et ça va être handicapant parce que je me retrouve en plein milieu du territoire orc. Donc je préfère mettre un sac. Et ensuite je vais la raser. Ah, succès. À la fin de votre tour, au moins 10 000, ça c'est bon. Investir dans la galerie, j'ai moins 5 000. Ok. Nain n'est jamais content de se séparer de son or, mais les ateliers améliorés permettront un travail de commencer. Placer deux unités à choisir parmi les types. Gyrocoptère, canon à soufre, gyrobombardier, gyrocoptère dans l'armée du seigneur suivant. Ok. J'ai gagné l'armure, armure du destin. Armure plus 6, résistance ultime. Ok. Et maintenant, on va faire ça. Ne rien faire. Ah merde, je peux plus la... D'accord, je pensais que je pouvais la raser. C'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque. Je fais piller occupé, je m'en fous mal occupé, je veux juste la raser. Ne rien faire, ok. Hop, on retourne là. Ouais. Toi, on va te faire ça, surtout. L'armure du destin plus 6. Attends, là j'ai quoi? J'ai un plus 5 et plus 30 en protection, en résistance physique plus 10. Hop, c'est le roi qui va l'avoir. Forcément. Qui n'a pas d'armure? Toi t'as une armure. Plus 4 et plus résistance au feu, ok. T'as une armure toi? Ouais. Qui n'a pas d'armure? Toi t'as pas d'armure. Ben voilà, t'as gagné une armure, c'est magique. Il n'y a pas de talisman pour toi, c'est dommage. Et objet enchanté, il n'y a rien pour toi. Bon, tu vas porter une armure qui a porté le haut roi. Soit pas... Alors ici on en est où? Je vais envoyer ma deuxième armée en renfort. Où je pense que mon... Je me demande si mon roi pourrait pas s'en occuper. Ouais, mais quand même des orques noirs en deux tarés. Et le gyrocoptère me ferait... me serait utile en fait. Alors ici, on va faire... On va faire ça. A savoir que maintenant, ça fait longtemps que mon il est fini d'être construit. Oh putain, vache. Ah oui, j'ai de l'argent maintenant. Hein. J'ai de l'argent plus savoir qu'en faire. Il faut que je l'utilise. On va vite. Oh, il faut que je fasse ça là. Je peux faire les gyrocoptères. Voilà. Et maintenant je peux recruter ça. Oh c'est cool ça. Merde.
par exemple toi. Oh là là, le choix. Oh les brise-fers, les brise-fers. Impossible d'attaquer le ciel. Oui bah oui. Arbalétrine, arme lourde, ouais d'accord. Longue barbe. Oh les marteliers, les brise-fers. Oh ils sont complètement pétés les brise-fers. J'en veux. Je les veux. Par contre, alors brise-fer 354. Bon après j'ai qu'une armée de ça, ça va faire mal. Oui je voulais voir un truc. Donc vous êtes en guerre contre eux. Ah d'accord, c'est pour ça, ils se font la guerre entre eux. Eh mais ça m'arrange ça les mecs. Ouais c'est ça, regardez, ils se baladent là-haut là. Allez-y, allez-y, entretuez-vous. Oh puissant seigneur, la fortune vous a certainement choisi pour votre grandeur. Grâce à mes conseils, votre immense pouvoir grandit, comme mu par une puissance divine. Vos ennemis tremblent devant vous. Ah, j'ai 6000. Ouais. Poursuivons les expulsions en haine, il nous faut reprendre les régions du nom du haut roi et satisfaire ses rancunes envers ceux qui nous résistent. Ainsi, Karazankor retrouvera sa gloire légitime. Pillez, rasez ou mettez à sac 10 colonies différentes. Qu'est-ce que c'est ? Une rancune de trop ? Le serment du rancunier. 14, vache. Alors ici, je suis à combien? Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Hop. Ah, ils ont 8 tours. Oh, bon, on va attendre. Bon par contre il y a ces enfoirés qui me gênent à chaque fois. Il est mort lui ou D'accord, rébellion imminente, rancune de trop. Ok. C'est good. Allez toi. Tu vas accomplir ta tâche. Oui, bah voilà. On vous vengera, vous inquiétez pas. Bon, je sais pas s'il y aura une baston dans cet épisode-là, je suis désolé, mais... Oula, doucement. Mais... c'était un peu plus de la... Ce qui m'inquiète, ah ouais, ce qui m'inquiète quand même, c'est que les trolls... Alors, soit je recrute... It is time. Ah mais, je peux pas recruter. J'ai envie de recruter ça, genre, mais... Impossible de recruter, c'est battu. Armurie. Ah ouais, il faut une armurie dans le... Dans la région. Maître des runes. Ouais, c'est vrai que je pourrais améliorer ça. Il va falloir que j'améliore ça, la vache. Ah la vache, ça fait mal. Hein. Mais bon, revenu généré 600. Bon allez hop. On le fait. Et ici, pas assez de pognon. Il va falloir que j'améliore ça surtout. Voilà. Revenu généré 200. Là j'ai combien?
C'est pour la croissance surtout ça. Ici c'est quoi? C'est Dolby le chouette. Je pourrais faire... Ouais c'est quoi ça? Le hall des canons. Coût recrutement 20% pour toutes les unités non utilisant la poudre noire et les armes incendiaires. D'accord. Ouais ben ah chut. Au final je sais pas quoi faire. C'est ouais. J'ai bien envie de faire ça pour la protéger parce qu'elle est vraiment proche des trucs. On va repasser tour. Et je pense qu'on va se laisser là-dessus et au prochain épisode on attaquera la... Qu'est-ce qui se passe? J'ai rien compris, c'est pas grave. Un pack de l'agression, il veut que je le paye 100? Bon, si vous voulez. Pour 100 pièces d'or, je vais pas pleurer. Ah, mais il s'est blessé ce con. Tiens, ça prendra ça. Vos guerriers s'enfoncent dans le territoire hostile, mais tout ne va pas bien. Il y a des mauvais présages à l'étranger, comme si l'ombre d'un dieu de corne vous regardait. Hein. Oui, bon, ok. Tant pis, mais... j'ai pas envie de risquer. Ok. Lui va y arriver. J'arrive. By the king's command. Not likely. Into war. Voilà. Je suis en position. Je suis entièrement. Oui, bon, ça, d'accord. Le monde de Jotunheim. Jotunheim. Ah, faut que je le déploie, genre... Comme ça, voilà. Et là, faut que je mette un gyrocoptère, deux unités. On redescend. Wipe out the trespasses. We mark another grudge. C'est risqué, hein, c'est risqué. Mais. Ah, c'est des orques noirs, il y en a beaucoup quand même, vache. Bon, on va faire un truc. Ah oui, c'est pour ça qu'ils sont pas contents. On va repasser de tour et on va se laisser là-dessus. Et je vais envoyer ma deuxième armée attaquer le pic noir. Parce que c'est pour ça qu'ils sont dans le négatif les machins, c'est parce que... Ah bah voilà. Encore une nouvelle occupation. C'est pas possible ça. Bon, je vous laisse lire. Placez deux unités de type de tueur dans l'armée suivante. Eh mais deux gyrocopters, deux équipes de tueurs, j'ai rien contre, mais... Ok, eux ils viennent d'être conquis. Ça fait peur maintenant. Ils sont en train de disparaître là, c'est... C'est affligeant. One rug. Ok, hop, on va aller. On va aller assiéger tout ça, vous allez voir. Vous voulez pas refaire mon... S'il vous plaît. J'en ai besoin, non? Allez, ils emmerdeurs.
Enfin bon, on va se laisser là-dessus. Pas de bataille, je suis désolé. Bon, on verra ça pour le prochain épisode, hein, parce que c'est la grosse baston pour reprendre le pic noir, donc Karakdraz, l'ancienne cité naine. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve très vite sur d'autres épisodes de Total War Warhammer avec les nains, le chaos et les hommes bêtes. Allez, je vous souhaite à tous une bonne semaine. Bye bye.